Barre. Sbar. Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens bons. Guadazeroa reprend les actus. On en était. On est en train de se faire un nouveau corps, on perd du poids. Bon, là on commence à voir ce que je veux dire. Bah bon. Fico, t'es le numéro 1. J'ai jamais cité ton blaze, mais en ce moment je regarde tes vidéos. Grosse force à toi. Mais Guadazeroa est de retour. J'ai jamais cité ton blaze, mais je le cite aujourd'hui. Grâce à l'homme qu'on appelle Fico, j'ai su que le grand Swagman est de retour parmi nous. Vous savez, Guadazeroa avait dit que Swagman allait sortir de prison, mais il s'était trompé sur les dates. Moi, j'ai dit ça là un an, mais finalement, il est sorti un an après. Mais moi, j'avais annoncé qu'il sortirait 4 mois après, mais finalement, il est sorti un an après. Bref, bienvenue à toi, Swagman. Je crois que quand tu es monté en prison, j'avais 300 abonnés, je me souviens, ou 400 abonnés. C'est en 2019, quelques temps avant. On avait un petit peu échangé par message privé, tu te souviens, et tout ça et tout. Bon, bref, grosse force à toi, je suis content que tu es de retour. Dès que tu viens sur Paris, viens toi et moi, on va faire les vidéos. Le buzz que tu faisais avec les Morsailles, les Cortex. Aujourd'hui, on va le faire ensemble. Viens, on va faire ça ensemble, mec. Bon. Booba est en train de terminer, mes frères et sœurs. Booba est en train de finir, mes frères et sœurs, l'homme qu'on appelle Gims. Parce que, comme vous savez, bon, là, je fais la même vidéo que Fico. Je vais tricher sur toi, Fico, parce qu'il n'y a pas d'actu, je triche sur toi. Moi, j'ai toujours dit que je suis un tricheur. Je suis un voleur de... Bref. Gims achète des appartements à Marrakech au lieu d'acheter des appartements à Kinshasa. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que le Maroc, ça vaut rien là-bas. Grosse force à tous les Marocains. J'ai beaucoup de familles à moi qui étaient au Maroc. Mon frère, elle a été à je ne sais pas combien de fois là-bas, au Maroc, Tunisie, tout ça. Donc voilà, le Maroc, c'est un beau pays. Moi-même, je vais y aller. Je n'ai pas encore été, mais je vais y aller là bientôt. Donc, Gims, il investit là-bas. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça ne vaut rien là-bas. Donc, il a construit un bâtiment. Après, voilà, Booba, il s'en est mêlé. Ouais, espèce de clochard ou je ne sais pas quoi. Il a terminé, vous connaissez. Donc, Booba a clash aussi Nekfeu parce que Nekfeu a fait un feat avec Gims. Les frères et sœurs. Booba reste le numéro 1. Mais Gims aussi est un grand, mes frères et sœurs. Moi, j'aime bien les deux, mes frères. Moi, franchement, j'ai pas de préférence entre les deux. Rapologiquement parlant, Booba mérite plus de respect par rapport à sa carrière. Mais comme je suis un négro, mes frères et sœurs, et j'apprécie l'homme de Kinshasa, parce qu'il est de chez moi, Gims. Moi, j'aime bien les mecs de Kinshasa, mes frères et sœurs. Où est-ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà, donc Banakin, Tokomonana, Oyoki. Toi, tu sais, on se comprend un peu, Gims. Bon, peut-être tu parles mieux le Lingala que moi, mais on se comprend un peu quand même. Beauté, bon bref. On va pas citer tous les blazes, hein, vous connaissez. Hein. Donc voilà. Booba est-il jaloux de Gims? Je ne pense pas. Booba veut-il continuer à terminer? Parce qu'il a aussi insulté Rof. Là, vraiment, c'est un carnage. Il a vraiment... Rof aussi l'a répondu. Vraiment, c'est là ce qui se passe en ce moment. C'est une dinguerie, mes frères et sœurs. C'est franchement là, il recommence à avoir de l'actu. Donc Booba continue à clasher les gens, termine les gens. Nous, on aime ça, mes frères et sœurs. On s'en bat les couilles. Mais juste, insulte pas les darons. T'as vu, ça sert à rien. Bon, bref, fais ce que tu veux. C'est entre toi et eux. Mais il faut pas t'étonner si que voilà, si un jour on vient taper à ta porte et les gens ils viennent te laver, mes frères et sœurs, à plusieurs. Est-ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà, donc c'est une petite vidéo. On vous a dit, on va refaire des vidéos de temps en temps. Voilà, sur l'actualité, rap et tout ça et tout. Donc voilà. Énorme force à Swagman. Je suis très 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 content qu'il ait sorti de prison. Bah!